Sans plus tarder, et dans le vif du sujet, la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Le 25 septembre est une date historique où nous célébrons la culture et l'héritage des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Découvrons leur histoire, leur résilience et leur contribution à la promesse. Cette histoire, notre histoire a commencé en 1975, une année chargée de signification pour toute la communauté franco-ontarienne. Ça a débuté à Sudbury, où un acte de fierté et de détermination a illuminé le ciel de l'Ontario. En effet, le 25 septembre de cette année-là, Michel Dupuis et Gaétan Gervais hissaient pour la première fois le drapeau franco-ontarien. Ce n'était pas seulement un acte symbolique, c'était également une déclaration audacieuse de leur identité, un cri de reconnaissance. Le drapeau lui-même devint le porte-étendard de tout un peuple. Le drill pour l'Ontario, le lys pour la langue française, le vert pour les étés et le blanc pour les hivers. Ce drapeau, vibrant d'histoire et d'aspiration, a été officiellement reconnu par la province de l'Ontario en 2000, un symbole durable de la ténacité de la communauté franco-ontarienne. Ce n'est qu'en 2010 que le 25 septembre est devenu officiellement le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. C'est une étape majeure dans la reconnaissance officielle de leur histoire et de leur contribution à la police. La loi a été proclamée par l'Assemblée législative le 26 avril 2010, qui fait de ce jour, le 25 septembre, un hommage annuel. Un petit rappel des luttes et de la résilience de la communauté franco-ontarienne. Plusieurs faits ont marqué la résilience et le combat et la lutte et les luttes auxquelles ont fait face les franco-ontariens. Un de ces faits, nous le rappelons, c'est la bravoure des franco-ontariens contre le règlement 17. Le règlement 17, en effet, est un règlement qui a été voté, qui a été pris par le ministre. Un règlement qui a été pris par le ministère de l'Éducation à l'époque en 1912 pour restreindre drastiquement l'usage du français dans l'éducation. La communauté franco-ontarienne, face à cette politique restrictive, a persévéré et a lutté avec ardeur. Finalement, en 1927, après une résistance acharnée, le règlement 17 a été abrogé, une victoire mémorable qui a renforcé la détermination des franco-ontariens et des franco-ontariennes pour préserver leur identité. Mais qui sont les franco-ontariens, les franco-ontariennes aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Ontario compte près de 600 000 individus franco-ontariens et franco-ontariennes qui représentent un pilier essentiel dans la diversité culturelle de l'Ontario. La grande majorité des franco-ontariens et franco-ontariennes, soit 90%, sont bilingues, maîtrisant à la fois l'anglais et le français. Est-ce que ça marche? Peut-être, mais c'est juste. Est-ce que vous m'entendez? Levez juste la main si vous m'entendez toujours. D'accord, super. Donc, je disais, on était à la rubrique qui sont les franco-ontariens et les franco-ontariennes aujourd'hui. Je le rappelle juste, nous sommes 600 000 individus franco-ontariens et franco-ontariennes. 90% des franco-ontariens et franco-ontariennes sont bilingues, maîtrisant à la fois le français et l'anglais. Cela témoigne de notre adaptabilité dans une province où la diversité linguistique est un atout majeur. Les franco-ontariens et franco-ontariennes aujourd'hui, je l'ai rappelé, 90% sont bilingues, 14% sont des immigrants. C'est important de le souligner aujourd'hui parce que les franco-ontariennes sont uniquement des personnes qui ont vécu en Ontario, qui partagent le français, la francophonie étant répandu dans d'autres pays du monde. Les immigrants, comme moi d'ailleurs, qui rejoignent le Canada
et avons pour partage la cette langue française. Et cette langue française, sont fiers aujourd'hui de nous appeler les Franco-Ontariens. L'éducation, un des sujets qui nous rassemble aujourd'hui. Juste un petit rappel, l'éducation en Ontario est possible, il est possible de suivre son cursus scolaire et postsecondaire totalement en français en Ontario. Pour rappel, pour l'éducation postsecondaire, il existe plusieurs collèges francophones, dont celui de la Cité, installé à Ottawa et à Toronto, celui de le Collège Montréal, à Sudbury et Toronto, qui offrent des diplômes d'études collégiales. Quant à l'enseignement supérieur, l'Ontario abrite également une variété d'institutions universitaires de langue française. On peut citer par exemple l'Université de l'Ontario français et les universités bilingues comme l'Université Laurentienne, le Collège universitaire Glendon de l'Université de York, l'Université d'Ottawa, l'Université Saint-Paul, pour ne citer que ceux-là. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit rappel de la journée des Franco du 25 septembre, journée des Franco-Ontariens. L'histoire est vaste. En quelques minutes, nous ne pourrons pas couvrir. Nous allons nous en arrêter là pour aller dans le vif du sujet, ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir le débat sur l'intelligence artificielle, les innovations pédagogiques et comment ces nouvelles technologies peuvent aider à maximiser la réussite en situation d'apprentissage. Nous allons à présent laisser la parole à Dr. Megan Cotnam-Capel, professeur agrégé et associé au doyen de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle est spécialiste dans les domaines des technologies éducatives et de l'éducation en contexte francophone minoritaire. Elle s'est méritée deux doctorats de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Corse Pascal Paoli dans le cadre d'une co-tutelle et a également effectué un stage postdoctoral à la Harvard Graduate School of Education. Depuis 2016, elle œuvre à l'Université d'Ottawa et mène un programme de recherche axé sur le développement des littératies et de la citoyenneté numérique chez le personnel enseignant et les élèves, ainsi que sur la promotion de la justice sociale et de l'équité numérique. Elle s'intéresse également à l'éducation ouverte et aux ressources éducatives libres par et pour les francophones de l'Ontario. Actuellement, elle occupe le poste de modératrice au sein du réseau d'échange de pratiques de la communauté franco-ontarienne d'eCampus Ontario, où elle continue de contribuer activement à la promotion de l'éducation et des cultures francophones en Ontario. Nous allons lui laisser la parole. Je vais juste vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage ou le Q&A. Q&A, questions et réponses. Je vous remercie. Megan, c'est à toi. Merci, merci beaucoup. Je vais tout simplement partager ma présentation. Et si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien la présentation, ça va? Super. Merci beaucoup. Merci de cette belle présentation. Et surtout, merci à toute l'équipe eCampus de cette invitation de faire partie de cette célébration de la Journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Comme citoyenne franco-ontarienne, je vous remercie de cette belle célébration et de la chance de discuter avec des collègues de différents sujets d'actualité qui touchent la communauté francophone minoritaire. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous discuter du mouvement de l'éducation ouverte que plusieurs d'entre vous connaissez déjà très bien, mais particulièrement des enjeux, des défis et des possibilités pour mener et viser un programme d'équité numérique et d'équité linguistique pour les francophones de l'Ontario. Je ne peux pas voir le clavardage, so, si jamais vous avez une question plus urgente, n'hésitez pas de prendre la parole et sinon je pourrais prendre les dernières 10 minutes pour voir le chat à la toute fin. Donc, voici un Je petit dirais, Mégane, au fur et à mesure qu'il y aura des questions. Super, merci beaucoup. Merci.
Donc, je vais vous donner un petit survol de la présentation que j'ai divisée en trois parties. Dans la première partie, j'aimerais vous présenter un ancrage théorique. Oui, je suis là comme professeure d'université, donc on commence toujours un peu avec la théorie, mais c'est un ancrage qui va nous permettre de voir pourquoi, de justifier et de nous ancrer quels sont les besoins particuliers des francophones en contexte minoritaire. Donc, je viens tout juste de mener une recherche sur les enjeux par rapport à l'équité et je vais vous présenter le cadre que j'utilise sur les inégalités à la fois numériques et linguistiques. Dans une deuxième partie, j'aimerais vous proposer une définition de l'éducation ouverte qui a été faite pour les francophones en contexte minoritaire partout au Canada, qui vraiment est le reflet des besoins de cette communauté. Et troisièmement, j'aimerais vraiment discuter et lancer un peu la réflexion et la discussion par la suite sur certains défis et surtout souligner les possibilités de l'éducation ouverte, qui, à mon avis, est un mouvement qui prend de l'ampleur et qui pourrait vraiment apporter des changements très importants pour la communauté francophone minoritaire. Donc, je voulais parler un peu par rapport au contexte de l'Ontario français, mais j'aimerais remercier nos collègues à eCampus d'avoir préparé ce contexte en début de notre colloque. Donc, vous connaissez maintenant mieux les enjeux, l'histoire, les raisons pour lesquelles, par exemple, nous célébrons qui nous sommes. Donc, je vais juste tenir ici à souligner le fait que, oui, les francophones sont en contexte linguistique minoritaire. Qui fait en sorte que l'éducation, que ce soit primaire, secondaire ou au niveau postsecondaire, nous avons tous une double mission. La mission éducative en Ontario français est à la fois éducative, comme nos collègues en milieu majoritaire, mais elle a également une mission linguistique et culturelle. Nous avons des politiques d'aménagement linguistique qui nous touchent tous dans nos différents établissements postsecondaires, qui rendent très évident, concret et soulignent l'importance de faire rayonner le français, de créer des espaces inclusifs, d'inciter nos citoyens à vouloir étudier en français dans cette province. Donc, quand on s'intéresse particulièrement aux enjeux du numérique dans ce contexte, nous devons nous rappeler que les possibilités qui sont offertes pour nos étudiants peuvent être limitées par leur bagage linguistique. Donc, cette citation par une collègue sociolinguiste, je la trouve intéressante pour inciter la réflexion. Far from infinite, the Internet, it seems, is only as big as one's language. Donc, c'est un cadre pour nos réflexions cet après-midi. Nos étudiants peuvent-ils participer et profiter pleinement du numérique avec les ressources qui existent, avec ce qui est disponible pour eux dans leur langue, dans leur cours? Et quand ces ressources sont là, sont-elles le reflet de leur langue minoritaire, de leur variété de français, de qui ils sont? Donc, la représentation est importante aussi là par rapport aux possibilités de participation. Je continue. Encore un peu de contexte. Les études qui touchent les langues minoritaires et le numérique, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles soulignent, vous connaissez peut-être l'expression digital divide ou les fractures numériques et l'historique de fractures d'accès. Quand tous n'avaient pas nécessairement l'accès à un ordinateur ou tous n'avaient pas accès à l'Internet. Et aujourd'hui, au Canada, nous avons toujours des citoyens qui n'ont pas accès à une connexion Internet. Mais on voit qu'il y a une fracture linguistique qui est parallèle à ces différentes fractures numériques et qui peut la renforcer. Lorsqu'un outil n'est pas disponible dans sa langue, il y a une fracture qui s'impose. Et que certaines langues minoritaires deviennent alors numériquement menacées. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que si on ne voit pas notre langue dans un espace en ligne, allons-nous développer ces compétences dans cette langue ou allons-nous toujours retourner vers l'anglais et participer en anglais? Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est le concept même
de dignité numérique? Est-ce que les membres de la communauté ont la chance de participer dans leur langue? Et sinon, ça peut avoir un effet négatif sur un sentiment de dignité numérique dans cette langue. Donc, ce sont différents concepts qui sont utilisés depuis les dernières 5-10 années pour imaginer et conceptualiser les différentes implications de la monopolie, disons, de l'anglais dans différents espaces numériques. Évidemment, j'ouvre une petite parenthèse, le français est une langue internationale. Donc, si vous vous dites, mais quand même, le français est bien représenté dans certains espaces, oui, mais le français de différentes régions majoritaires, le français de la France, le français du Québec, n'est pas le français de Windsor, de North Bay, d'Ottawa. Et nos élèves, nos étudiants, nos professeurs sont plus engagés lorsque leur façon de parler est valorisée à sa place en ligne. Donc, nous devons continuer à faire ce travail et sachant que nos voix doivent aussi être représentées dans ces espaces. OK, je vais aller un peu plus rapidement, le temps passe vite. Donc, je voulais rapidement vous présenter le concept d'inégalité numérique que j'utilise comme cadre théorique et qui me permet de bâtir des projets et des recommandations de politique informées par une lentille de justice sociale. Donc, selon le concept d'inégalité numérique, il y a trois niveaux d'inégalité. Il y a des inégalités d'accès. Aujourd'hui, on va parler de les différents accès et types d'accès à l'internet, la variété d'outils, la qualité des outils, la fréquence de l'accès et en milieu minoritaire à sa langue. Est-ce qu'on a accès en français? Est-ce qu'on a l'outil et la ressource dans sa langue ou non? Le deuxième niveau d'inégalité, c'est le niveau d'inégalité de compétences. Donc, une distribution inégale de compétences en littératie numérique. En 2022, j'ai mené une recherche sur ce sujet, sur la distribution inégale entre les francophones et les anglophones de notre province. Et oui, il y a une fracture qui existe. Les francophones n'ont pas les mêmes outils, les ressources, les occasions de développement professionnel que les anglophones. Et on passe beaucoup de temps à traduire, à remixer, à faire beaucoup de travail en parallèle pour pouvoir utiliser les outils dans nos contextes d'enseignement, qui fait en sorte qu'on a moins la chance parfois d'être à l'affût des nouvelles tendances technologiques. Et troisièmement, les inégalités d'empowerment, qui veulent dire qu'en raison de ces inégalités d'accès à notre langue, des inégalités de compétences liées aux enjeux linguistiques, nous n'avons pas tous la même capacité de profiter du numérique pour servir nos propres intérêts ou les intérêts de la communauté. Donc, la capacité d'un citoyen pour aller chercher son emploi, pour trouver des informations, pour mobiliser sa communauté peuvent être différentes selon les conditions numériques, selon ces différents niveaux d'inégalité. Il y a assez de recherches sur les inégalités d'accès et de compétences, mais le concept même d'inégalité d'empowerment est très nouveau dans le domaine. On commence juste à voir que la question d'inégalité numérique est très complexe et que c'est difficile de qualifier et de quantifier parfois ces inégalités, mais tous n'ont pas les mêmes chances si tous n'ont pas les occasions de participer dans sa langue en ligne. Donc, justement, there's a large body of research that has examined these digital inequalities and divides. We know a lot about what is lacking and for whom, but there is less focus on what works to alleviate inequalities and divides, especially in a variety of cultural contexts. Et ça, c'est où j'aimerais, dans la deuxième partie de cette présentation, vous parler des pratiques éducatives ouvertes. Donc, nous voyons qu'il y a des besoins, que pour aller jusque l'empowerment numérique, on a besoin de plus d'accès, plus de chances de développer nos compétences. Et je pense que d'ouvrir plus large la communauté, que tous s'investissent à bâtir cette communauté numérique francophone, c'est vraiment
le prochain pas, disons, pour la communauté, et c'est le mouvement de l'éducation ouverte qui pourrait être fort pertinent. C'est peut-être un rappel pour ceux et celles qui sont ici, mais en Ontario, nos collèges, nos universités représentent un moyen de survie pour nos communautés minoritaires, mais plusieurs défis s'imposent pour nos étudiants et nos profs. Parfois, l'offre de programmes n'est pas là. Parfois, on doit parcourir une énorme distance géographique pour avoir accès à un programme en français. Il y a un manque de ressources. Et le concept même de sécurité ou d'insécurité linguistique devient aussi pertinent à noter, surtout quand on va parler de participer en ligne et d'éducation ouverte, parce que nous avons plusieurs recherches qui soulignent que les membres d'une communauté minoritaire n'osent pas toujours prendre la parole parce qu'on a peur, on hésite de se faire juger par rapport à sa langue. Et quand la langue est liée à ton identité, et on remet en question la qualité de notre langue par rapport, par exemple, à un français standard, ça peut remettre en question sa place même au sein de cette communauté. Donc, ça peut être très complexe à vivre pour nos étudiants. Nous avons des recherches qui soulignent que les étudiants vont aller vers l'anglais tout simplement parce qu'ils n'ont pas à vivre ce déchirement ou ce questionnement identitaire par rapport à leur langue. Donc, c'est un défi important pour notre communauté. L'éducation ouverte a le potentiel de pallier les inégalités que j'ai mentionnées et démocratiser, ouvrir vraiment les ressources en français. Cependant, en ce moment, la majorité de l'offre est unilingue anglophone. La naissance de ce mouvement s'est faite plutôt en anglais. Donc, évidemment, il y a du chemin à faire, disons, par rapport à vraiment mettre en œuvre ce que cette éducation ouverte pourrait faire pour la communauté francophone. Donc, j'aimerais vous proposer et vous partager ici une nouvelle définition des pratiques éducatives ouvertes qui a été faite pour le contexte linguistique minoritaire. Donc, c'est mon étudiante, Catherine Lachaine, qui est bibliothécaire à l'Université d'Ottawa, qui vient tout juste de mener une étude pancanadienne sur les pratiques pédagogiques ouvertes. Et nous avons mené un article, nous avons rédigé un article sur cette étude par la suite et décidé de proposer une définition de l'éducation ouverte pour le milieu minoritaire. Parce que, comme vous le savez bien, prendre une définition toute faite d'un contexte majoritaire, des anglophones, le traduire en français, ce n'est pas tout à fait le reflet de nos besoins. Donc, j'aimerais la présenter et la partager ici avec vous. Les pratiques éducatives ouvertes en contexte linguistique minoritaire sont des pratiques pédagogiques critiques en évolution qui se recontextualisent dans les langues et les cultures du contexte local. Donc, déjà, l'accent est mis sur le local. On pourrait voir dans un autre contexte, les besoins sont différents. Donc, on ne veut pas imposer une seule définition. Elle doit être le reflet du local. Ces pratiques vont se caractériser par la création et le partage de connaissances, de matériel d'apprentissage qui sont ouverts par et pour les locuteurs de la langue comme telle. Et puisque c'est le reflet de sa langue minoritaire, elle contribue à une forme de revitalisation linguistique du groupe minoritaire. Donc, le fait même de pratiquer une éducation ouverte, de partager ouvertement ces ressources, ces pratiques, tu contribues vraiment à un mouvement politique de cette communauté. Et finalement, et je n'ai pas beaucoup de temps de mettre l'accent dessus, mais peut-être dans une future conversation ou pour la discussion, ces pratiques nécessitent la contribution et la collaboration des étudiants et des profs. Donc, je pense qu'il y a vraiment du terrain à creuser là aussi. Quel est le rôle des étudiants dans ce mouvement? Et comment leurs expériences font partie de l'éducation ouverte. Ce n'est pas seulement par les profs, mais une collaboration entre étudiants et profs. Ici, on va partager à la toute fin un lien vers la thèse de Catherine. On n'a pas tous le temps de lire toute une thèse, mais elle est vraiment excellente. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites si récemment sur le sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais vous partager ce lien à la toute fin.
Donc, pour terminer, quels défis et quelles possibilités de l'éducation ouverte? Des défis clés retournent vraiment à cette question d'accès, donc la disponibilité des ressources éducatives ouvertes en français et surtout du français, disons, de l'Ontario français, plus local. Et les connaissances numériques et pédagogiques. Donc, avons-nous des formations, des espaces qui sont adaptés au contexte? Et je pense que dans tout ce qui suit directement après ma présentation, on va voir que le terrain commence à se préparer là, mais c'est un défi important, criant. On ne peut pas juste prendre des ressources faites de d'autres contextes. Et les défis linguistiques, là, ce sont des défis assez complexes. Est-ce que les francophones du contexte minoritaire vont avoir la sécurité linguistique pour partager ouvertement? Ont-ils la sécurité? Est-ce qu'on a fait communauté? Avons-nous l'impression que toutes les variétés de français sont acceptées ou non? Ça va être un défi important à soulever. Et finalement, le défi que j'ai évoqué par rapport à l'empowerment numérique. Ce sentiment d'empowerment numérique, il est difficile à définir concrètement, mais c'est un désir de contribuer, de s'activer en ligne, de créer du contenu et de le partager. Ça se bâtit avec le temps en fonction de cet accès et de ces compétences. Mais en ce moment, dans les entrevues que je fais avec le personnel, on n'est pas encore là. Les gens hésitent. Préfèrent vraiment créer des contenus et les garder privés seulement pour leurs étudiants. Donc, je pense que c'est un but commun de viser vraiment cet empowerment. Les possibilités, si on peut bien apporter tous à la table et travailler ensemble envers cette éducation ouverte, je crois fermement qu'on peut viser une inclusion numérique de tous nos profs, de nos étudiants. Si on peut s'équiper avec les outils, les ressources, les connaissances qui sont adaptées, qui sont pour nos cours, pour notre province, si on peut faire rayonner différents types de français et si on peut viser plus explicitement non seulement l'acquis de certaines compétences de base, mais un sentiment d'empowerment numérique vis-à-vis, de ce mouvement, je pense qu'on va pouvoir développer un certain pouvoir d'agir et ce sont vraiment des dispositions qui visent jusqu'à l'empowerment, qui vont nous permettre de profiter pleinement de l'éducation ouverte. On ne peut pas voir ça comme un simple échange ou une traduction de ce qui se fait en milieu majoritaire. Les enjeux sont différents, mais le potentiel aussi est fort et l'impact, à mon avis, sera encore plus fort pour les communautés minoritaires. Nous ne sommes pas toujours regroupés physiquement autour d'une table. Parfois, on a un seul spécialiste dans l'établissement, dans son sujet. Donc, le numérique a beaucoup de potentiel pour nous rassembler, comme province. Sur ce, je vous remercie, beaucoup et, j'ai hâte pour, la discussion et les échanges. Et je vais peut-être arrêter le partage pour pouvoir voir le chat. Merci. Merci beaucoup, Megan, pour cette brillante présentation. Nous allons à présent prendre des questions. On a une dizaine de minutes pour les questions-réponses. N'hésitez pas à les mettre dans le questions-réponses sur appuyez le bouton questions-réponses sur votre interface pour les mettre. Oui, je vois quelqu'un qui lève la main. Oui. Bonjour, Mégane, merci de votre super présentation. Je me demandais tout simplement si dans les pratiques d'échange numérique, j'aime bien l'idée, je trouve que c'est une super bonne idée de rassembler les personnes, mais des fois, ça paraît un peu impersonnel. Donc, je me demandais si vous aviez des meilleures pratiques ou des conseils pour créer ces liens personnels-là entre pendant ces contributions et ces collaborations numériques. Est-ce que c'est possible de préciser entre quel type d'acteur, entre prof et étudiant ou entre prof ou...
entre professionnels ou entre de collaboration au niveau postsecondaire en général, j'imagine. Oui, justement, je trouve que c'est une excellente question parce que c'est malgré les possibilités techniques, c'est pas toujours évident de faire communauté, surtout dans le cadre de quelque chose qui nécessite qu'on se rend un peu vulnérable. Typiquement, partager une ressource éducative qui se fait, qui doit se faire avec nos étudiants en temps réel. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un produit tout fait qui est parfaitement prêt, disons, pour les presses et qui vont prendre 2 années de révision linguistique et tout. Donc, là, je pense que l'important, c'est de peut-être rendre un peu moins formel les espaces d'échange et d'avoir des passerelles où on peut faire beaucoup plus une communauté d'apprentissage professionnel plutôt qu'un échange de produits tout faits. Parce que les meilleures pratiques qui sont recommandées dans le domaine de recherche en ce moment, c'est que la ressource éducative libre soit adaptable aux besoins locaux, aux besoins des étudiants devant nous. Les ressources qui étaient les plus pertinentes dans mes cours avant la pandémie ne sont plus les mêmes, mais même d'une année à l'autre. Moi, je donne des cours en technologie éducative pour les futurs enseignants. J'avais des projets Twitter qui sont désuets. Je n'avais pas des projets de ChatGPT, mais j'ai besoin de telles ressources. Donc, on a vraiment besoin de bâtir une communauté où les gens peuvent partager des produits qui sont en cours brouillon à tout moment, mais qui bénéficient de cet échange. Je n'ai pas nécessairement la réponse. Je sais que j'ai des collègues à eCampus qui travaillent justement sur cette question. Mais il va falloir sans doute informaliser un peu le tout si on veut que les produits soient justement le reflet des besoins. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour, Meg. Moi, j'aurais une question. Quand j'ai fait mon étude de maîtrise, j'étais tombée sur des statistiques de 2019 qui fait référence finalement à l'insécurité linguistique que vous avez mentionnée tout à l'heure. Cette étude disait que il y avait très très peu en fait d'élèves qui avaient fait toute leur correspondance, enfin leurs études en immersion, et très peu se sentaient finalement suffisamment à l'aise pour poursuivre leurs études au secondaire et post-secondaire. Et donc, ma question est la suivante. Je me demandais en quoi les pratiques éducatives ouvertes que vous proposez et ces mouvements d'éducation ouverte en français, comment est-ce que ça pourrait venir finalement renforcer cette confiance dans leur français, dans leur contexte de minorité, dans cette insécurité linguistique et puis dans cette dichotomie finalement entre leurs deux cultures. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, merci. Merci de la question. C'est un sujet qui me passionne aussi. En ce moment, la place du français standard, la place d'un français très standardisé et formel, surtout dans les espaces postsecondaires, est trop grande et fait en sorte qu'il y a trop peu ou aucun espace pour le français ou la variété de français de nos étudiants franco-ontariens. Évidemment, pour une dissertation, pour une thèse, les étudiants doivent apprendre à écrire d'une certaine façon. Mais pour s'exprimer, pour apprendre, pour discuter, nous n'avons pas toujours besoin de corriger nos étudiants parce que la correction et la surcorrection font en sorte que l'étudiant préfère demeurer silencieux ou aller vers l'anglais. Et les recherches nous le montrent très, très clairement. Alors que nos étudiants ont des choses très riches à dire, mais les Franco-Ontariens vont rester silencieux alors que leurs collègues qui viennent de milieux majoritaires, qui se sentent plus à l'aise en français, vont prendre la parole. Et on le voit, et les étudiants nous le racontent. Il y a souvent un choc incroyable quand ils arrivent dans une université ou un collège francophone et ils voient que leur français n'est pas valorisé alors qu'il l'était dans leur école secondaire à Timmins, comme à Sudbury, à Barrie, d'où je viens.
Donc, moi, je pense que l'éducation ouverte, si justement beaucoup plus de personnes se mettent à produire et créer dans leur français, va créer des modèles où on se sent que notre français a sa place, même au collège, même à l'université. Peut-être que c'est dans le chat, dans une étude de cas, dans la façon dont les gens s'expriment, mais on n'a pas besoin de surcorriger dans certains espaces. Plus de créativité, de vidéos étudiantes, de poésie, d'espaces où les gens peuvent juste s'exprimer et non pas à se corriger. C'est ce que j'aimerais imaginer qui pourrait être possible pour, et encore une fois, et ça serait le reflet de nos étudiants, de leurs identités, de leur façon de dire. Donc, j'aimerais plus voir ça et j'aimerais sensibiliser peut-être un peu plus aussi les professeurs. Toutes les variétés de français ont leur place et c'est à eux de distinguer quand ça doit être le standard et quand nous pouvons peut-être avoir un peu plus de flexibilité envers nos étudiants pour justement les sécuriser. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonjour, moi j'ai une question très simple. Vous avez dit à la fin de votre discussion que les professeurs étaient, disons, timides pour partager leurs ressources. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour justement favoriser ce partage? Et est-ce que c'est peut-être un endroit où ils peuvent partager, une communauté? Est-ce que vous avez des, disons, des, pas des solutions, mais des choses à partager? Je pense que ça commence par faire communauté et ensuite, une fois que les gens ont le sentiment de confiance dans cette communauté, ils vont se sentir à l'aise de partager. Parce que parfois, c'est trop formel. Par exemple, si on nous demande un plan de cours tout fait, sans contexte, sans discussion, on se dit, OK, le plan de cours doit être parfait et je dois travailler là-dessus. Donc, si on me demandait pour toutes mes notes de cours, tout ce que je fais avec mes étudiants, parfois je l'adapte le soir avant, etc., les profs ont peut-être comme point de référence lorsqu'on soumet des choses beaucoup plus formelles. Alors que partager toutes nos ressources éducatives ou partager quelque chose qui est en stade brouillon, qu'on a seulement fait une fois avec nos étudiants, je crois que les profs auront vraiment besoin d'avoir un sentiment de sécurité dans cette communauté avant de le faire. Donc, l'idéal serait d'avoir beaucoup de modèles pour que les gens puissent voir, mais avant ça, même de se sentir assez à l'aise, de connaître les gens autour de la table avec lesquels on fait ce partage. Ça serait peut-être aussi une façon, une porte d'entrée. Je vois ce que vous faites, donc je sais que l'intérêt est là, mais est-ce que les gens se sentent à l'aise? C'est une question plus complexe, malheureusement. J'espère que ça aide un peu. Je donne, oui. Merci beaucoup, Megan. Merci à tous les participants. Merci vraiment pour vos questions enrichissantes et qui emmènent le débat. Nous allons avancer sur notre programme. Megan va laisser certainement son contact si quelqu'un a envie de continuer cette réflexion. Et Campus Ontario, vous allez le découvrir tout à l'heure, a un cadre d'échange, un réseau d'échange de pratiques. On n'avait qu'à le rejoindre et vous pouvez poursuivre les réflexions dans ce cadre de concertation. À présent, nous allons donner la parole à Mme Taylor et Alissa pour présenter des initiatives de eCampus Ontario, des initiatives francophones et bilingues de eCampus Ontario. Vous avez la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde et merci beaucoup, Megan, pour cette présentation super, super. Alors, je m'appelle Taylor et je suis associée d'apprentissage numérique ici à eCampus Ontario et je me concentre sur l'engagement du secteur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre réseau d'échange pratique franco-ontarienne qui a été lancé en juillet. Je vois plusieurs de nos membres ici aujourd'hui. Alors, vous le savez, ces choses déjà, mais c'est un grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Alors, bonjour tout. Prochaine diapo, Elissa.
Merci. Alors, qui sommes-nous? Sous la direction des membres de la communauté franco-ontarienne, eCampus Ontario a lancé le premier réseau d'échange de pratiques pour servir notre communauté francophone au niveau postsecondaire, dans le développement de nos compétences numériques et pédagogiques, tout en français. Nous mettons l'accent sur le partage d'expériences, de bonnes pratiques, ainsi que sur la résolution des problèmes communs par le réseautage, la collaboration et le soutien mutuel. Alors, contrairement aux autres communautés d'apprentissage existantes, notre groupe est le seul réseau d'échange de pratiques fait uniquement par et pour les franco-ontariennes. Et la diversité de nos expériences respectives fait que nous sommes un groupe qui offre des perspectives différentes sur l'apprentissage du français et nous permettent aussi de nous adresser à un public beaucoup plus large avec plusieurs intérêts. Alors, nous visons à donner un espace collaboratif aux éducateurs, éducatrices franco-ontariennes pour partager nos idées, nos ressources et nos questions au sujet de l'apprentissage et l'enseignement numérique. Prochaine diapo. Merci. En utilisant Slack en ligne pour héberger notre communauté, et en ce moment, nous avons des canaux pour l'intelligence artificielle, les modes d'évaluation en ligne, le développement professionnel, les ressources éducatives libres, parmi plusieurs d'autres. Alors, nous travaillons sur des thèmes vraiment, vraiment pertinents dans cette ère numérique. Si vous n'avez jamais utilisé Slack, ne vous inquiétez pas. On a un guide de démarrage sur l'utilisation de Slack, ainsi que plusieurs ressources pour les nouveaux utilisateurs. Enfin, nous avons choisi Slack parce que c'est vraiment facile à utiliser et c'est enfin un très bon outil qui permet de supplémenter l'usage du courriel. Je pense que tout le monde reçoit déjà beaucoup de courriels. Et Slack est aussi une bonne façon d'organiser nos discussions en fonction de divers thèmes. Aussi, il faut ajouter qu'en ce moment, les premières 100 personnes qui s'inscrivent vont recevoir un Mastercard de 50 $. Alors, je vous encourage de s'inscrire, de profiter et aussi de gagner un peu d'argent. Vous pouvez nous joindre pour seulement profiter de ce que les autres membres partagent, mais on vous encourage aussi de partager vos propres ressources, de vous poser aussi des questions, pour que vos collègues puissent à vous aider et puisse aussi profiter de vos idées aussi. À la prochaine diapo. Merci. Alors, si vous vous intéressez, vous pouvez s'inscrire à notre site. Je pense que le lien est maintenant dans le chat. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Mon adresse email est là. Vous pouvez m'envoyer un message. Ou si vous pensez que c'est quelque chose peut-être intéressant, mais vous n'êtes pas encore certaine, vous pouvez consulter notre infolettre de juillet à août qui est aussi disponible sur notre site. C'est juste en bas de nos objectifs. Alors, il faut faire défiler un peu pour le trouver, mais il est là. Et l'infolettre va vous montrer toutes les ressources et les discussions qui ont eu lieu pendant les derniers mois. Et puis, à partir de là, vous pouvez prendre la décision si c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, merci beaucoup et j'espère qu'on se voit en ligne, et je pense que je peux maintenant passer la parole à Alyssa et Siri. Bonjour, merci encore pour votre présentation, Megan et aussi Taylor. Donc, ici, nous allons vous parler de notre projet de ressources éducatives libres, le volet REL. Donc, c'est un projet qui est aussi en marche depuis le mois de mars. Donc, notre mandat, dans le fond, c'est d'offrir une plus grande gamme de ressources éducatives libres en français pour la communauté postsecondaire francophone de l'Ontario. Donc, c'est vraiment en lien avec notre présentation un peu plus tôt aujourd'hui. Et puis, ces ressources-là vont être sélectionnées à partir d'une analyse du secteur des REL que nous avons effectuée un peu plus tôt, disons, cette année. Donc, nous sommes en pleine expansion et en pleine création de ces ressources-là. Avant de commencer, je souhaitais juste expliquer un peu qu'est-ce qu'une REL, qu'est-ce que, de quoi on parle quand on parle de ressources éducatives libres. Donc, l'UNESCO définit ça comme du matériel d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sur tout format. Donc, il peut s'agir d'un manuel scolaire, des activités, des devoirs. Ça peut être aussi des activités en réalité virtuelle, des cours. Donc, il y a vraiment toutes sortes de formats, tout ce qui est utilisé en contexte pédagogique.
nous le considérons une REL. Donc, et puis, la chose la plus importante, vraiment, c'est que ce soit distribué sous une licence libre. Donc, c'est bien ça. Je passe la parole à Siri pour vous expliquer la bibliothèque libre d'eCampus. Alors, merci. Alors, notre projet de REL, on travaille à côté de la bibliothèque libre. Alors, les REL que nous créons, que nous traduisons, quoi que ce soit, vont se rendre dans la bibliothèque libre. Alors, pour un peu de contexte, la bibliothèque sert de dépôt pour vos réalisations de projets. Vous pouvez ajouter des modules interactifs à votre projet. Vous pouvez ajouter du matériel ouvert à vos projets. Et à ce moment, la bibliothèque compte de plus de 1300 REL en anglais et en français. Alors, ce qu'on fait, on a déjà parlé un petit peu de notre mandat, mais pour être plus spécifique, nous avons la traduction, alors un emphase sur les ressources de STEM, de sciences de la santé, le français langue seconde, les métiers et le soutien en éducation. Alors, si la ressource existe en anglais, on espère traduire en français pour que ça soit disponible et localisé. Et on fait aussi la création. Alors, nous avons des opportunités et des initiatives pour faciliter la création de REL. Il y a aussi un emphase sur les ressources de STEM, les sciences de la santé, français langue seconde, métier et soutien en éducation. Et nous avons aussi des sessions sprint et un appel au contenu libre que nous avons, je pense, la prochaine diapo, c'est la session sprint. Alors, je passe la parole à Alyssa encore. Merci bien. Donc, nos sessions sprint, dans le fond, c'est des sessions de création éclair. Donc, c'est tenu au cours de 2 jours. Et puis, nous avons des personnes dans le domaine de l'éducation avec des rôles multiples qui créent des ressources spécialisées pour le contexte de l'Ontario dans les domaines de soins infirmiers, d'ingénierie, de français langue seconde, de SIM. Nous avons aussi un sprint au cours du mois d'octobre sur les ressources aux étudiants, donc pour soutenir les étudiants dans le contexte numérique et dans le contexte hybride aussi. Donc, si vous souhaitez participer, les sessions sont rémunérées à 1 200 $ par session. Et puis, vous avez la chance d'avoir votre travail et votre un beau produit de collaboration avec vos pairs dans le domaine de l'éducation postsecondaire de l'Ontario, publié dans la bibliothèque libre d'eCampus avec votre nom sur ce projet. Donc, si vous souhaitez postuler, vous pouvez scanner le code QR qui est bien là. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel pour de plus en plus d'informations. Il y a plus de détails sur le site d'eCampus Ontario sous la page d'opportunités. Vous pouvez voir comment postuler, où postuler et quand postuler. Donc, je vais passer à notre prochaine initiative, l'appel au contenu libre. Oui, alors nous sommes à la recherche de ressources éducatives libres et on reconnaît qu'il n'y a pas toujours le désir de participer à une journée, une session éclair, mais quand même. Nous sommes à la recherche, alors si vous avez des ressources qui sont peut-être sous licence libre et qui ne sont pas publiées, qui sont en langue française ou qui sont bilingues français-anglais, et portant sur des sujets spécifiques, vous pouvez postuler et les soumissions qui sont acceptées seront rémunérées de 2 000 $ jusqu'à un maximum de 5 000 $ par soumission acceptée. Alors, il y a le lien là, je le mets aussi dans la boîte de clavardage. Voilà. Alors, si vous avez du contenu qui serait approprié et qui serait et qui porte sur des sujets spécifiques, les détails sont sur l'appel au contenu libre et le lien est dans la boîte de clavardage. Je pense que... et si vous avez des questions, n'importe quoi, envoyez-nous un courriel à fsl@ecampsontario.ca. On répond à toutes les questions. Oui, et le courriel est dans la boîte de clavardage. Merci, Andrea. Je pense que ça, c'est tout de moi, Alice, notre projet et de Taylor. Alors, merci pour votre patience. Merci beaucoup à l'équipe.
l'équipe du campus entier. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je ne sais pas si vous avez. Si quelqu'un a des questions, vous avez des questions, on pourra répondre très rapidement, le temps de permettre à notre prochain intervenant, à savoir Monsieur Hosni Jawali, de se préparer pour sa conférence. Alors, Hosni, là, il a Oh, partagé son écran. déjà, d'accord. On y va alors en même temps. Si dans le chat, on n'a pas de questions. Donc, notre prochain intervenant, Monsieur Hosni Zawali, amicalement appelé Hoss, il est le PDG, le fondateur de Connected Lab. C'est une compagnie qui construit le métaverse pour l'éducation universelle. Cette compagnie produit du contenu, des programmes éducationnels pour des milliers d'étudiants en Afrique, au Canada, aux États-Unis et en France. Il est également le fondateur de Voilà Community Help, un organisme sans profit qui reverse les gains générés par ces entreprises dans le développement de l'éducation pour des opportunités en Somalie, en Haïti, au Ghana, au Nicaragua et en Tunisie. Monsieur Rosny, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez la parole. Alors, tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de me recevoir. Je vais éteindre mon téléphone, ça va être plus simple comme ça. Alors, encore une fois, mon nom c'est Haas ou bien Hosni Zawali. Je suis le directeur de Connected Labs. Vous m'entendez? C'est bon? Super. Et je suis conférencier à l'université Stanford, mais je travaille également pour la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et d'autres organismes. Je me spécialise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle générative des métavers. Au sein des institutions d'enseignement supérieur. Alors, ce que l'on fait en fait très rapidement, on construit des campus de réalité virtuelle pour connecter des étudiants un peu partout dans le monde. Beaucoup appellent ça le métavers. Nous, on appelle ça le campus d'apprentissage collaboratif. Mais bon, on peut l'appeler comme on veut. Alors, je vous montre très rapidement de quoi ça a l'air. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle générative, du métavers. On va voir que la fusion entre les deux va révolutionner, ou en train de révolutionner l'éducation ou l'enseignement supérieur. Très rapidement, et je suis désolé, cette petite vidéo est en anglais. We're happy to have you here. Thank you. This is very exciting. Here's Moise talking to a client. Let's say hi to him. Oh, hey, Josh. I was just telling Mr. Tsuga here about the services provided by Tech Adaptica. I'm glad to be here and excited to share with you. Alors, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais on va parler d'abord d'intelligence artificielle, ensuite de métavers. Vous allez voir que la fusion entre les deux va être assez remarquable au niveau de l'éducation supérieure. Et sans plus tarder, je vais vous donner tout simplement un cas, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mon université a besoin de produire une vidéo promo pour attirer des étudiants, mais dû à l'inflation et au manque de main-d'œuvre qualifiée, l'université a du mal à trouver un caméraman, un preneur de son et un monteur vidéo à un prix abordable. Tiens, il manque un M à un prix abordable. Le budget pour faire une vidéo comme ça, c'est à peu près 1 800 dollars à 15 900 dollars. Et donc, sans plus tarder, je vais tout simplement vous montrer comment est-ce qu'aujourd'hui les universités nous demandent justement de les aider par rapport à ce genre de choses. Alors, je vais repartager mon écran dans 2 secondes. Voilà, on va juste aller sur un browser normal. Here we go. On va aller sur un browser. On va aller là-dessus. Voilà. Alors, tout simplement, vous connaissez tous ChatGPT, ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment est-ce que nous, on commence par ChatGPT, et on lui dit tout simplement, je vous montre petite démonstration, tu es un expert en marketing digital et production de vidéos promotionnelles pour les institutions d'enseignement supérieur. L'Université du Canada français, ça c'est notre université, une université fictive, hein, l'Université du Canada français a besoin de produire une vidéo promo pour attirer des étudiants. Donne-moi un script pour une vidéo promotionnelle de 32 secondes à destination des étudiants internationaux
parlant de la diversité de l'université basée à Toronto et mettre l'accent sur l'aspect collaboratif de nos programmes. Je lui demande ça, un script, je veux un script et vous allez voir ce que je vais faire avec ce script. Alors, il me dit, voici un exemple, 32 secondes, l'Université du Canada français à Toronto, axé sur la diversité. Et là, il me donne un script de seconde par seconde, presque. D'accord ? Il me donne même les plans de coupe. Parce que ça, normalement, ça m'aurait pris facilement 3 heures à déterminer. Donc là, il me dit, narration, située au cœur de la ville de la vibrante Toronto, notre université célèbre la diversité et l'inclusion, rejoignez-nous, etc., etc. Il me donne seconde après seconde quoi faire et même les images qui vont avec. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin des images. Ce que je veux faire, tout simplement, c'est ne garde que la voix du narrateur ou de la narratrice. Voilà. Bien sûr, voici le script et voici la narration telle qu'il me l'a donnée. Alors, bien sûr, je vous fais une démonstration très, très rapide. Donc, indulgence, indulgence. Je prends ce script et je vais sur, par exemple, un outil que je vous donne, ça s'appelle Design AI. Je vais sur Design AI. Il n'est pas encore disponible en français. Peut-être, peut-être pas, mais je veux créer une vidéo. Hop, je crée une vidéo. Try it for free. Et je prends ce script et je le colle ici. Et ensuite, je vais appeler ça Université du Canada français. Voilà. Hop, je garde la couleur verte parce que c'est pertinent aujourd'hui. Hein. Alors, bonne journée des Franco-Ontariens pour ceux qui nous écoutent. De quoi est-ce que ça va parler ? Ça va parler d'éducation. Hop. En français, tiens, on va prendre une autre voix, plutôt un Antoine canadien. Voilà, Antoine canadien, je vais prendre cette voix-là. Bonjour, bienvenue dans le monde de l'intelligence artificielle générative, NLU, NLP, Natural Language Understanding, Natural Language Processing. Alors tout ça, c'est beaucoup de jargon, mais voilà ce que ça donne. Située au cœur de la vibrante Toronto, notre université célèbre la diversité et l'inclusion. Rejoignez une communauté mondiale d'étudiants et découvrez nos programmes universitaires collaboratifs. Ici, travaillez ensemble pour construire votre avenir. Ça a été une démonstration très rapide, je vous l'accorde, mais vous imaginez qu'est-ce que ça m'aurait pris justement si je devais créer ce script de toute pièce, créer tout cet atelier. Et donc, je voulais commencer par une petite démonstration telle que celle-ci pour montrer à quel point le monde a changé depuis les 6 derniers mois. On va rester simple. Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a eu… en fait, mettez ça de côté. Je vais vous donner une analogie qui va vraiment vous faire comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. En 1979, il y a eu un article écrit dans Scientific America en 1979 et ce scientifique a tout simplement classé les animaux par ordre de performance pour parcourir 100 km. Quel est l'animal qui dépense le plus d'énergie versus quel est l'animal qui dépense le moins d'énergie? Et il s'avère que l'animal qui dépense le moins d'énergie pour parcourir 100 km, c'est le goéland, effectivement. Et tout en bas, vous avez les animaux comme peut-être les hippopotames qui, eux, ont énormément de poids et donc dépensent énormément d'énergie pour devoir marcher. Mais l'animal le plus efficace pour parcourir 100 km, c'est le goéland. Il a également vu l'humain. L'humain était au milieu du classement. Pour parcourir 100 km, l'humain, eh bien, n'était pas très, très performant. Mais il a refait la même expérience où il a mesuré tous ses animaux, sauf que cette fois, il a donné à l'humain une bicyclette, un vélo. En donnant une bicyclette à l'humain, l'humain est arrivé à être plus efficace à parcourir 100 km que le goéland. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, l'intelligence artificielle générative, c'est le vélo de l'esprit. Vous dépensez beaucoup moins d'énergie, vous faites les choses beaucoup plus rapidement que si vous les faisiez à pied. Votre carrière, la carrière de vos enfants, c'est un peu comme si c'était un marathon, d'accord ? C'est un marathon de 42 km. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui a changé il y a à peu près 6 mois, c'est qu'il y a eu l'intelligence artificielle générative. C'est un peu comme si, en plein milieu de ce marathon qui est votre carrière, kilomètre 21, il y a quelqu'un qui vous dit « Oyez, oyez,
Il y a des vélos gratuits pour ceux qui veulent les utiliser. La règle du jeu a changé pour ce marathon. Vous avez le droit d'utiliser des vélos. Il va y avoir ceux qui peuvent utiliser le vélo, qui veulent utiliser le vélo, et ceux qui disent « Non, non, mais moi, je suis un coureur, je ne suis pas un cycliste, je n'utilise pas le vélo. » Si vous n'utilisez pas le vélo dans cette course, il est impossible de gagner cette course. Impossible, parce que même un coureur qui est à peu près moyen en vélo, il fera mieux que vous. Vous pensez que vous êtes en train de bien avancer dans votre carrière, bien avancer pour la carrière de vos enfants, et pendant ce temps, voici ce qui se passe. Quelqu'un à vélo est en train de vous passer. Donc, mon message pour ce qui est de l'intelligence artificielle générative dans le monde de l'éducation, c'est que vous ne serez pas remplacé par l'intelligence artificielle. Pas du tout. Vous ne serez pas remplacé par l'intelligence artificielle, mais vous serez sûrement remplacé par un humain qui utilise l'intelligence artificielle. Grande nuance. Ou en tout cas, comme notre ami Yoda le disait dans Star Wars, « Do or do not, there is no try ». Allez, je vais vous épargner les définitions officielles de l'intelligence artificielle, mais Facebook, à l'époque, avait pris 10 mois pour arriver à 1 million d'utilisateurs. ChatGPT, qui est un seul outil d'intelligence artificielle, a mis 5 jours. Au passage, OpenAI, qui a créé ChatGPT, était une organisation à but non lucratif jusqu'à très peu de temps. En 5 jours, ils ont eu 1 million d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils ont plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, voire plus que 1 milliard. Alors, le rôle positif et négatif du métavers et de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. J'aime beaucoup citer nos amis Karim Beguir et puis Zora Slim, qui nous viennent de Tunisie, qui eux ont commencé avec un petit algorithme pour essayer de détecter ce que c'était que la variante du virus COVID qui allait émerger. Chaque semaine, il y a énormément de variantes de COVID qui émergent, et eux, ils ont réussi, grâce à leur algorithme, à déterminer quelle est la variante. En l'occurrence, ils ont déterminé Omicron qui allait être la variante prédominante. Leur compagnie, qui a été créée en Tunisie au départ, dans un petit village du sud tunisien, a été vendue il y a 2-3 mois à 600 millions de dollars à BioNTech, et ils ont eu un énorme investissement de Google. Le monde a complètement changé aujourd'hui. Au niveau de l'université ou de l'enseignement supérieur, l'intelligence artificielle va nous aider à la personnalisation de l'apprentissage. On connaît tous qu'on a tous des intelligences multiples, intelligence multiple prédominante ou un peu moins éveillée, eh bien, l'intelligence artificielle va pouvoir tout mesurer pour nous aider à comprendre ce que c'est. Et quand je dis « va », ça ne veut pas dire dans deux mois ou dans deux ans. C'est que c'est aujourd'hui possible. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Je vous ai montré aujourd'hui comment est-ce que moi j'ai réussi à faire une vidéo pour l'Université du Canada français en, 5 minutes. Ce qui aurait pris énormément de temps. Alors, elle n'est pas parfaite, certes, mais en termes de MVP, Minimal Viable Product, eh bien, ça va vite. Prédiction de la rétention des étudiants, ça aussi, ça va être assez énorme. L'intelligence artificielle va nous aider là-dessus. Le soutien à la recherche. Et donc, aujourd'hui, il y a un nouveau emploi qui est en train de se créer dans les universités, c'est le prompt engineering, l'ingénieur de prompt ou de requête. C'est pour designer et optimiser les requêtes pour générer de très hautes qualités de réponses. Vous avez vu comment est-ce que j'ai parlé à ChatGPT? Eh bien, je parle à ChatGPT, je ne parle surtout pas comme on parle à Google. Le problème, c'est que vous et moi, on a été formés pour parler à Internet comme on parle à Google. Quelle est la population de Kinshasa? Si on parle comme ça à l'intelligence artificielle générative, on n'en retirera rien. C'est un changement de paradigme. Il faut spécifier le rôle et l'expertise de l'outil IA. C'est pour ça que je lui ai dit, dès le départ, tu es un expert en marketing et en publicité digitale. Je lui ai dit ça. Il faut lui donner un contexte. Je lui ai dit, mon université, elle doit faire X, Y et Z. Je lui ai donné des restrictions, surtout pas de copier-coller. On lui demande d'ajouter une perspective pro, des sources, des analogies. Et surtout, je lui demande des mots-clés. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus importante sur le côté IA de ma présentation. D'utiliser des mots-clés comme « élabore »,« résume »,« faire la liste »,« compare ».
joue le rôle de, fait l'avocat du diable. Donne-moi une réponse unique, classée, rétrofit. Tout ça, j'en parle dans une de mes formations, justement, à toutes les conseils scolaires et les universités un peu partout dans le monde, sur comment utiliser ou comment faire un effet de levier de l'intelligence artificielle générative et du métavers. Alors, je terminerai par rapport à ça. En fait, le mieux, c'est de vous donner un exemple, exactement. Vous vous rappelez quand le iPhone est sorti, on avait ce slogan qui disait « There's an app for that ». Eh bien, maintenant, j'ai un nouveau slogan, et ce slogan, c'est « There's a chat for that ». Je vais vous montrer. Je vous donne un exemple, OK? Alors, je vais repartager mon écran, un browser, on va prendre Safari, hop, voilà. J'ai ma vidéo, OK, cool, super ta vidéo. Maintenant, j'aimerais tout simplement, maintenant que j'ai la vidéo, j'aimerais bien un logo. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller sur ChatGPT et puis je vais, regardez, si je vais dans un nouveau chat, je vais sur plugin et là, je vais sur Canva. Vous connaissez tous Canva, j'imagine. Eh bien, je prends le API, donc l'API de Canva et de ChatGPT, je les connecte. Et puis là, j'ai un plugin store ici pour avoir un petit peu tout. Si je veux, par exemple, design. Et là, tu en as plein des applications qui se connectent à ChatGPT pour me donner ce que je veux. Donc, ChatGPT n'est plus indépendant. Il travaille maintenant avec d'autres software, d'autres logiciels comme Canva. Là, par exemple, on va essayer d'utiliser Canva. Je dis « Give me a LinkedIn banner for the company profile of my university ». Et donc là, ChatGPT commence. Et là, ce qu'il va faire, normalement, c'est qu'il va aller chercher dans Canva. Voilà, alors maintenant, il sort de ChatGPT, il va dans Canva et il va maintenant, ce que je croyais que ChatGPT était que du texte, et maintenant, regardez. En connectant les deux, et voilà, ça, c'est mon LinkedIn banner qui est on peut le prendre, copier-coller et on le met sur LinkedIn automatiquement. Il a les bonnes mesures de LinkedIn pour la bannière. Je n'ai même pas à le refaire, je n'ai même pas à le retoucher. Donc, voici un petit exemple également pour vous dire qu'on passe de « there's an app for that » à « there's a chat for that ». Donc, le monde est dans une situation très différente. Quelqu'un a dit que les vélos existaient. C'est à vous de trouver le courage de dire peut-être que finir la course à pied, c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que je devrais prendre un vélo. Alors maintenant, on a parlé de l'intelligence artificielle. J'aimerais vous parler très rapidement du métavers. Le métavers, ça a monté énormément. Notre compagnie a eu beaucoup de demandes et de succès pendant la crise de la COVID. Et ensuite, il y a eu Meta qui a un petit peu fait tout tomber. Mais pour nous, ça marche toujours bien parce qu'on s'applique du métavers à l'éducation ou au développement professionnel. Donc, il y a pas mal de choses que l'on fait à Connected Labs et puis à Adaptica. Mais je veux vous parler d'une petite chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail du digital identity ou d'identité digitale. Je vais plutôt vous parler du Proteus Effect. Voici une expérience que l'on a fait à l'université. On a pris 200 étudiants. On a pris 200 étudiants et on les a fait négocier. C'est un cours que j'enseigne, la négociation. On les a fait négocier deux par deux sur une négociation distributive. C'est quoi une négociation distributive? C'est pas très compliqué. C'est, il n'y a pas de valeur ajoutée à créer. Plus pour moi, c'est moins pour toi. Et plus pour toi, c'est moins pour moi. C'est en gros, je dois te vendre ce crayon et il y a un prix. Et plus pour moi, c'est moins pour toi. Et moins pour toi, plus pour toi, c'est moins pour moi. Et là, on les a mis dans le métavers, on leur a donné tous le même avatar, la même salle de classe, et on les a fait négocier deux par deux. Vous me suivez? Sauf que, de manière totalement discrète, on a fait en sorte qu'un des avatars était plus grand que l'autre. C'est le même avatar. Et de manière aléatoire, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, il y en avait un qui avait un avatar un peu plus grand. De manière systématique, l'avatar le plus grand a négocié de manière plus agressive que l'avatar le plus petit. Ou l'étudiant qui avait l'avatar le plus grand a négocié de manière plus agressive que l'étudiant qui avait l'avatar le plus petit. Ça peut paraître rien, mais c'est une révolution en termes de comportement humain en ligne. Je croyais toujours que c'était moi l'humain qui contrôlait mon avatar. L'effet Proteus
a montré que l'apparence de mon avatar avait un impact sur mon comportement. Ça change toute la donne. Je vous laisse réfléchir à comment est-ce que ça s'applique à l'université. Les erreurs des débutants pour tout ce qui est du métavers, c'est qu'on ne juge pas la valeur d'un métavers par son look ou par son apparence. Beaucoup de gens nous disaient à l'époque, « Ouais, mais Roblox, Fortnite, c'est que des trucs cubiques. » Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a 220 millions d'enfants qui utilisent Roblox et puis Fortnite. Roblox a été vendu à 31 milliards de dollars en mars 2021. Vous avez vu à quoi ça ressemble, Roblox ? Ce sont en fait des Lego sur écran. Et pourtant, 220 millions d'utilisateurs. Donc, d'essayer de croire que le métavers, ça doit être absolument quelque chose de super réaliste, c'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin du Oculus Rift ou bien d'un casque de réalité virtuelle pour l'utiliser. Vous avez besoin, en tout cas pour notre technologie, les étudiants, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord, ils n'ont besoin que d'un ordinateur. Même un Chromebook, on a fait en sorte qu'ils puissent l'utiliser pour un Chromebook. Les universités qui sont déjà dans le métavers, personnellement, je suis assez fier d'avoir introduit le métavers à Stanford. Ce n'était pas évident au départ. Il y a aussi beaucoup d'universités en Asie, New Mexico, il y en a une au Japon, à Tokyo, il y a l'université du College of London, mais il n'y en a aucune au Canada et il n'y en a aucune francophone pour l'instant. Je pense que ça s'y met petit à petit. Il y a des tests qui sont en train de se faire, mais des programmes entiers qui se font dans le métavers qui permettent à des milliers d'étudiants ailleurs d'utiliser ou de suivre des programmes d'éducation ici, au Canada, ça ne se fait pas encore. Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que l'université multiplie le nombre d'étudiants sans pour autant multiplier la grandeur de leur espace. Ils peuvent, par exemple, avoir 4 fois plus d'étudiants, sauf que chaque semestre, c'est un nouveau groupe d'étudiants qui vient les voir au campus. Donc, il y a pas mal de choses qui se font. Alors, bien sûr, hein, je ne veux pas parler en fait, de quelque chose qui est compliqué comme si c'était un conte de fées. Il y a des choses, enfin, nous, on a beaucoup, beaucoup échoué avant de pouvoir réussir à implémenter ces métavers et cette intelligence artificielle dans les universités. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu la recette magique. Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé du métavers. Voici la combinaison entre les deux. La combinaison entre les deux, ce sera le futur de l'éducation. Les étudiants auront des assistants, des tuteurs personnalisés. On a toujours cru que c'était un humain qui contrôlait l'avatar. Là, je vais vous montrer un avatar qui est contrôlé par ChatGPT. Non seulement ce qu'il dit, mais également son mouvement. Je l'ai appelé Père Geppetto pour ChatGPT. Regardez ce que ça donne, et je suis désolé, elle est en anglais, c'est un de nos collègues qui l'a fait. Okay, we're recording. Brother Geppetto, can you tell our viewers on TikTok what all this is about? Of course, my child. I am an artificial intelligence manifesting as an old Christian monk, and I'm here talking to this wonderful person by this beautiful pond at sunset. We are using new technologies to enable our conversation, allowing me to understand what the player is saying and to give a voice to my thoughts. Yeah, so now... Il n'y a aucun humain derrière Father Geppetto. Il est totalement automatisé. The AI is here. I wanted to experiment a bit with how to use ChatGPT-driven NPCs, especially in virtual reality. Brother Geppetto, can you tell us what special animation abilities you have? I can control where I look. I can look at the lovely pond, or I can look at the setting sun, or I can look back at you. Is there anything specific you would like me to do? Thanks. So you can ask ChatGPT to enter tags inside its reply, which you can then interpret as some kind of animation events. Brother Geppetto, for the end of the video, we are living in hard times. A lot of things are happening, both good and bad, and many people are anxious. Do you have any words of wisdom for us that can guide us and be more calm? As the sun sets on this day, my child, let us reflect on the blessings we have received, the strength that comes from facing challenges, and the love that surrounds us even in uncertain times. Remember to trust in the Lord, for he is the rock that we can rely on, and to treat others with kindness, compassion, and understanding.
No matter what happens, let us remain steadfast in our faith, hope, and love, and know that in the end, all will be well. Thank you, Brahma Gopato. Très bientôt. Et quand je dis très bientôt, ce n'est pas dans 5 ans, hein. C'est très bientôt. On va avoir des tuteurs personnalisés. Nous, on les teste déjà sur notre technologie. Des tuteurs capables de travailler avec des étudiants de manière personnalisable. Ils vont tout savoir sur la compétence d'apprentissage de ces étudiants, le meilleur heure de la journée où ils apprennent, leur intelligence prédominante, leur parcours. On va avoir également des assistants de professeurs, des assistants qui vont aider les enseignants à créer des plans de cours, à créer des cours beaucoup plus interactifs, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus en lien avec la culture locale, avec ce que les jeunes vont, ce que les jeunes veulent. On va multiplier l'apprentissage collaboratif. Eh oui, entre les étudiants sur le métavers, des étudiants partout dans le monde, mais également avec ce qu'on appelle des NPC, des Non-Playable Characters, comme Père Geppetto, qui eux seront là des assistants pour nous apporter de l'aide dans tout ce que l'on veut faire. Sur l'orientation académique et professionnelle, ces avatars vont nous aider également. La sécurité, le bien-être, la santé mentale, les considérations éthiques, confidentielles, un compagnon d'apprentissage à vie. On peut aller jusqu'à des avocats personnalisés, on peut aller jusqu'à des comptables personnalisés. Aujourd'hui, ça marche. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Rappelez-vous, vous êtes en train de courir un marathon et en plein milieu, alors que vous croyez que vous êtes en train de gagner, l'introduction du vélo vient d'arriver dans la course. Prenez le vélo. Merci. J'attends vos questions. C'était vraiment très immersif. Merci beaucoup, Hosni. J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Nous allons les ouvrir. N'hésitez pas à poser autant de questions que vous voulez pour avoir une meilleure compréhension. Le sujet d'actualité intéresse effectivement beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a peut-être plus de 9 mois, ChatGPT n'existait pas, ça a impacté la vie de tout un chacun. Donc, c'est l'occasion d'en apprendre plus et comment cela peut effectivement améliorer le secteur de l'éducation, l'impact sur les résultats des apprenants et des apprenantes. Les questions. Ah, Marie-Claude, je crois que vous êtes en train de parler, mais on ne vous entend pas. J'ai mis la caméra, mais je n'ai pas mis le son. Alors, moi, je vais poser la première question. Merci beaucoup pour votre présentation. Par curiosité, je me demandais quel pays, quelles universités sont les plus en avance ou les plus intéressées par ces nouvelles technologies. Qui sont pour utiliser un mot en anglais, les leaders. Je suis toujours curieuse de voir ça. Est-ce que c'est les pays, peut-être la Chine, les États-Unis? Est-ce que ça se démarque? Merci. Je suis un peu biaisé par rapport à ça parce que je suis conférencier à l'université Stanford et c'est vrai que l'université Stanford, tout autour de Stanford, c'est la Silicon Valley. Donc, OpenAI est là-bas, LinkedIn, Google a été créé à Stanford. Donc, sans aucune prétention, je pense que les universités californiennes comme Stanford, Berkeley sont là. Mais les universités chinoises font un travail remarquable et ça ne m'étonnerait pas si les Chinois prennent le dessus sur certains aspects de l'intelligence artificielle. Très rapidement, j'aimerais juste terminer là-dessus parce que c'est une bonne question, Marie-Claire. Imaginez l'intelligence artificielle comme ChatGPT, imaginez-le comme l'invention du réfrigérateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les entreprises qui ont inventé le réfrigérateur, elles ont créé énormément de valeur ajoutée. Imaginez-vous, on ne pouvait rien garder au frais, maintenant on peut tout garder au frais pendant une semaine et tout le monde, que ce soit les magasins, les particuliers, les entreprises peuvent réfrigérer un petit peu tous leurs aliments et tout ça. Okay? Cependant, le prix des réfrigérateurs a continué à baisser au fil du temps. Qui a réellement capturé la valeur créée par le réfrigérateur? C'est Coca-Cola. Coca-Cola, de l'eau et du sucre, eux,
Ils sont passés d'un produit eau et sucre chaud à eau et sucre froid. Leur prix a continué à monter. Ce que je veux savoir, c'est quelles sont les entreprises qui vont réussir à être les Coca-Cola de demain, qui vont pouvoir faire un effet de levier de l'intelligence artificielle, qui est le réfrigérateur, pour justement créer énormément de valeur et capturer énormément de valeur. Je pense que le monde éducatif a énormément de valeur à capturer là-dessus, utiliser l'intelligence artificielle pour révolutionner le monde. En fait, c'était ma première, ma prochaine question peut-être, c'était de savoir c'est quoi l'impact pour les entreprises, quelles entreprises déjà, ben, on sait qu'il y en a déjà qui sont là-dedans, mais ma question finalement, c'est quelles entreprises peuvent déjà utiliser ces technologies, c'est quoi l'avancée? Et ça, c'est la dernière question. Il n'y a aucun problème, mais honnêtement, je pense que toutes les entreprises vont pouvoir l'utiliser de près ou de loin. Même si vous êtes un vendeur de pommes, hein, votre service marketing va devoir utiliser l'intelligence artificielle. Même si vous êtes... est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Create a contract for employee stock option for University Laval. Voilà. For 2%. Regardez les avocats. Les avocats sont vraiment dans le trouble. Donc là, je vais donner vraiment une information très basique et c'est pas comme ça qu'on lui parle. Mais voilà ce qu'il me donne. Ça aurait pris en fait à l'avocat une journée à faire. Et là, je ne lui ai même pas donné de vesting period, je ne lui ai même pas donné de exercise price, je ne lui ai même pas donné de date. Il me le fait de manière intuitive, dépendamment de mes anciennes requêtes. Alors, vous imaginez, les avocats sont dans le trouble, il va falloir qu'ils se réadaptent. Les enseignants, les tuteurs, les centres d'appel sont dans le trouble, il va falloir qu'ils s'adaptent. C'est encore une fois, vous ne serez pas remplacé par l'intelligence artificielle, vous serez remplacé par un autre humain qui utilise l'intelligence artificielle. Allez, j'arrête de vous faire peur. Oui, on a une question, il y a beaucoup de questions. On a une question dans le question-réponse, dans la boîte question-réponse. Austin, tu peux la répondre rapidement. Oui, la question dit, est-ce que le métaverse pourrait potentiellement permettre aux étudiants en Afrique, par exemple, d'avoir de vrais diplômes d'université occidentale américaine et ou canadienne quand ce sera implanté au Canada? J'en ai absolument aucun doute. Aujourd'hui, on vend notre technologie à la Banque africaine de développement justement pour mettre ça sur pied, pour en faire en sorte que les universités canadiennes, américaines, européennes puissent donner des programmes à des jeunes africains comme moi, mais qu'ils utilisent leurs compétences dans leur pays pour faire monter les compétences de leur pays. C'est ça le but. Le but, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation où on a la fuite des cerveaux. La raison pour laquelle je suis là, c'est aussi parce que il y a une fuite des cerveaux. Je suis parti de Tunisie, ensuite en France et ensuite au Canada. Si je pouvais utiliser mes compétences dans le pays, ce serait en fait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc, j'en ai absolument aucun doute. Surtout avec notre technologie qui, elle, est utilisable avec une tablette, un Chromebook, des petits ordinateurs qui ne nécessitent pas de Oculus Rift. Donc, moi, j'en ai aucun doute. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asni. On va passer d'abord la parole à Megan, rapidement. Ensuite à Cyrielle. Et les autres questions, vous pouvez les envoyer dans le chat. On va les relayer à Asni pour qu'il y réponde. On va s'assurer qu'il y réponde. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, Megan. Oui, bien, premièrement, merci de cette excellente présentation. Il y a plusieurs éléments, mais je vais en toucher une seule. Je vois le grand potentiel de la notion de tuteur personnalisé pour nos différents contextes éducatifs. Mais selon vous, quelles sont les principales limites actuelles de l'intelligence artificielle en tant que tuteur par rapport aux connaissances existantes, disons,
nous comme profs, en imaginant l'avenir, quelles sont les limites importantes? C'est une très bonne question. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. J'aurais vraiment beaucoup aimé vous rassurer, Megan, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une peut-être au niveau de l'empathie. L'intelligence artificielle n'est pas encore capable de faire preuve d'empathie. L'intelligence artificielle peut prendre votre pouls, peut prendre tout ce que vous dites, peut prendre votre niveau d'anxiété, mais il ne peut pas vous prendre la main. Mais par contre, c'est pour ça que je le dis encore une fois, ce n'est pas en fait quelque chose à substituer à l'humain. C'est un assistant à l'humain. On crée un autre de nos produits. C'est un campus pour les enseignants de français partout au Canada pour le jardin à la 12e année. C'est justement pour les aider. Et on apporte sur ce campus virtuel, on apporte des avatars un peu comme le père Gepetto pour aider les enseignants avec les plans de cours, les intelligences artificielles, créer tout ça, créer en fait tout ce contenu éducatif de manière beaucoup plus personnalisée. Exemple, je vous donne un exemple très simple. J'ai une fille qui a 4 ans et demi. Ma fille a 4 ans et demi et honnêtement, en tant qu'Africain canadien, je me sens un peu bizarre de lui parler de Blanche-Neige. Ça me fait un peu, voilà, je me dis, il y a bien autre chose que Blanche-Neige quand même. Je vais sur ChatGPT et je lui dis, crée-moi un conte de fées inspiré de Blanche-Neige avec le nom de Ayane, ma fille. Je donne les noms de ses amis à l'école, Gabriel, Roger et puis Fatima. Je lui dis, il va à l'école Sainte-Madeleine à Toronto et ils aiment Frozen. Et il me refait Blanche-Neige avec le nom de ma fille. Je lui dis, le méchant, c'est ton frère Adam. Et là, je lui lis le soir une histoire qui est personnalisée, un conte de fées qui est personnalisé pour elle. Le monde a changé. Merci. Merci Osni, j'avais une petite question pour toi, mais tu viens en partie d'y répondre. Je voulais faire le lien justement avec cette journée pour célébrer les Franco-Ontariens et Ontariennes, et j'aurais voulu savoir comment finalement le métavers et plus largement l'intelligence artificielle peut nous aider dans cette quête de préserver notre minorité linguistique, et ça fait écho également en fait à la conférence juste avant de Megan qui parlait de contribuer à l'éducation ouverte et les pratiques éducatives ouvertes. Donc peut-être tu pourrais nous partager un projet sur lequel tu as déjà travaillé ou comment est-ce que finalement le métaverse a pu contribuer vraiment de manière significative à la préservation de notre minorité linguistique et puis au progrès aussi, comment ça a pu peut-être aider les enseignants, les éducateurs, les tuteurs dans cette mission. Merci. Avec grand plaisir. Je regarde très rapidement, en fait, si je peux vous partager un projet qui sort demain. Ce projet, on l'a appelé Metalingo. Et c'est tout simplement un métavers pour les enfants de 3 à 6 ans. Le gros problème, alors, pour ceux qui... Enfin, peut-être mieux que je mette les choses dans le contexte. Avant d'être enseignant à l'université, j'étais enseignant dans la petite enfance. J'étais enseignant pour les maternelles, jardins, etc. J'étais peut-être le plus grand enseignant qu'ils avaient jamais vu, mais ça m'a beaucoup appris. Et le gros problème que l'on a, c'est lorsque les enfants anglophones veulent apprendre le français, ils vont dans une garderie en français et ils sont tout simplement super choqués et anxieux parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. On a créé une toute petite salle qui représente un petit peu une salle de garderie où les enfants sont assimilés ou plutôt on les introduit à la langue française, enlève ton manteau, assis-toi, petite comptine. Et ça dure 20 minutes par jour. Et lorsqu'ils vont dans la vraie vie, dans la vraie salle de classe, eh bien là, ils sont beaucoup moins choqués. Et ça, on le fait sur le partout au Canada. C'était un programme qui a été financé par le ministère du patrimoine canadien. Donc, un grand merci à eux. Et partout au Canada, gratuitement, ce sont des milliers d'enfants de 2 à 6 ans qui sont capables d'interagir entre eux, d'aller dans la garderie virtuelle et de se faire aider. Par rapport au français et comment est-ce que nous, on peut garder notre langue, surtout au Canada, franchement, il y a un mot et un mot seulement. Ce n'est pas intelligence artificielle, ce n'est pas métavers. C'est Afrique. C'est aussi simple que ça.
quand on regarde les chiffres, il faut être aveugle pour ne pas le voir. D'ici 2050, vous avez 850 millions de francophones, majoritairement en Afrique. C'est la population la plus jeune du monde. 41% de la population africaine a 15 ans, a moins de 15 ans. La population va doubler d'ici 2050. Ils vont être 2,5 milliards. En 2100, un humain sur quatre est africain. Et ces gens-là parlent français. Aujourd'hui, la plus grande ville francophone du monde, ce n'est pas Paris, c'est Kinshasa. Ils sont 20 millions. Donc, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je ne me fais aucun souci sur la vitalité de la langue française dans le monde, à condition que nous, franco-ontariens, on comprenne que le futur de la francophonie en Afrique, de la francophonie en Ontario, mais également au Canada, est africain et le restera. Soit on le fait, ou soit on ne le fait pas. Mais ce qui est sûr et certain, à moins que vous tous, là, vous vous mettez à faire 7 enfants chacun, eh bien, on n'y arrivera pas. Il y a une énorme population jeune qui ne demande qu'à parler en français, qui ne demande qu'à relier des liens avec le Canada. C'est là d'où ça va arriver. Et rappelez-vous, ça c'est la dernière chose, et je vais peut-être en choquer certains avant que vous partiez, mais si vous voulez mon avis, l'Afrique est sous-peuplée. Eh oui, l'Afrique, elle est sous-peuplée. Vous savez, en 1900, la petite Europe, il faudrait que je partage en fait mon écran avec vous pour que vous compreniez de quoi est-ce que je veux parler. Attendez, pop, Safari, here we go. Regardez en fait, si je prends en fait la carte, vous voyez mon écran ? Alors, si je regarde la petite Europe en 1900, la petite Europe ici, comparée à l'Afrique, était à 420 millions d'habitants en 1900. L'Afrique entière, on était à 140 millions. C'est normal qu'en Europe, ils ont pu arriver et coloniser tout ce territoire. À part l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée, tous les autres pays africains ont été colonisés par une puissance européenne. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Donc l'Europe, la petite Europe, était 3 fois plus que la population africaine. Aujourd'hui, ça s'inverse. En 2050, la population africaine qui représente, regardez-moi ce territoire. Ce territoire-là, c'est le territoire des États-Unis, de la Chine, de l'Europe et de l'Inde combinés. En 2050, cette population va être de 2,5 milliards. Là, on va être 4 fois plus que les Européens. Le problème, c'est que quand vous pensez, ou plutôt quand moi j'étais enfant, en fait, on me disait souvent, ah oui, mais en Afrique, il faudrait que vous fassiez moins d'enfants. Pourquoi ? Parce que les gens, on est programmés pour voir un enfant africain comme une bouche à nourrir, alors que l'on voit un enfant européen comme un futur docteur, un futur innovateur, un futur créateur. Ça, c'est faux. Il faut qu'on sorte de ces clichés. Un enfant africain a autant de chances de devenir un créateur, un innovateur, un ingénieur, un docteur, qu'un enfant européen. Si on sort de ce carcan, moi, je suis quasiment sûr qu'en Afrique, il va y avoir énormément d'innovation, énormément de prouesses, énormément d'avancées technologiques, et le français en fera partie. Donc, je vous laisserai là-dessus. J'espère que je n'en ai pas trop choqué certains, mais je travaille dans les statistiques, donc je suis vraiment en fait axé sur ces statistiques-là, et ils ne font aucun sens. L'avenir du français dans le monde est africain et canadien. Merci beaucoup, Osni, sur ces mots. Sans choquer politiquement, je suis africain, ça me fait plaisir de l'entendre également. Je pense que quand même les autorités canadiennes, le gouvernement canadien a cela à cœur. Plusieurs chemins d'immigration sont déjà très orientés vers la venue de francophones hors Québec. Donc, c'est quelque chose qui a été, je pense, qui est vu en avance. Nous remercions chaleureusement Megan pour leur présentation. Nous n'avons pas fini. Nous avons encore deux initiatives.
bilingue et francophone à e-campus Ontario qu'on souhaite partager avec vous. Restez avec nous, ça ne durera pas plus de 7 à 10 minutes et nous allons nous laisser sur des notes de gaieté. Je vous reviens après la présentation de Cyrielle et Marie-Claire. Andrea d'abord. Je vous reviens après la présentation de Andrea, ensuite de Cyrielle et de Marie-Claire. Andrea, c'est à toi. Super, merci beaucoup, Jojo, et un grand merci à toi d'avoir organisé ce super événement. Ça fait un plaisir d'écouter Megan, Hosni et mes collègues aussi. Je vais aller juste partager mon écran, ce ne sera pas long. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci encore de vous joindre à nous pour cet événement. C'est un événement tout historique pour nous. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est super d'être ici. Je m'appelle Andrea Krasnay et je suis une associée d'apprentissage numérique ici chez Campus Ontario. Puis aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre programme d'apprentissage expérientiel francophone, donc qui s'appelle le Consortium d'apprentissage expérientiel francophone de l'Ontario, ou bien connu comme CAPFO. J'ai mis aussi mon courriel, site web aussi dans l'éclairage pour vous. Donc, je vais juste passer à la deuxième diapo. Parfait. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on tous soit sur la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que c'est l'apprentissage expérientiel? J'aime le décrire comme la grande ombrelle. C'est défini par l'Association de l'éducation expérientielle comme une méthodologie où les enseignants s'engagent intentionnellement avec les apprenants dans une expérience directe et une réflexion ciblée. Donc, vous avez les quatre phases ici de Kolb. Donc, les apprenants commencent par la pratique, expérimentation, par la suite avec l'analysation de ces expériences, une observation, on réfléchit en fait. La troisième étape, c'est vraiment de faire des généralisations après cette analyse et finalement de transférer ces connaissances pour la prochaine expérimentation. L'apprentissage intégré au travail, par contre, est une forme d'apprentissage expérientiel, donc au-dessus de cette grande ombrelle, et c'est défini par l'enseignement coopératif et apprentissage intégré au travail Canada, donc EKIT Canada, comme une forme d'enseignement expérientiel pédagogique qui intègre aux études postsecondaires d'une personne étudiante des expériences d'apprentissage de qualité en milieu de travail. Et les expériences d'AIT comprennent toujours un partenariat entre un établissement postsecondaire, une organisation d'accueil et une personne étudiante. Et maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, je vais vous parler un peu de CAPFO, comment ça change tout avec la transformation numérique de l'apprentissage expérientiel et l'apprentissage intégré au travail. Donc ici, vous avez l'ancien monde, vous avez l'apprenant qui se rend à l'école, puis par la suite, en tant que diplômé, il est dans ce tourbillon de réalité actuelle qui est le marché du travail. Mais avec la plateforme RIPEN, c'est une plateforme qu'on utilise pour ces programmes que je vais vous montrer dans quelques secondes. Il y a une réalité complètement différente. L'apprenant a l'option de faire ses études en ligne de façon commodale ou bimodale ou aussi en ligne. Ou en personne, excuse-moi. Ils ont aussi des occasions de travailler sur des projets réels, authentiques, qui sont pertinents pendant leurs études. Et finalement aussi, ils ont des badges et des micro-titres pour certifier les acquis qu'ils ont obtenus pendant ces expériences aussi. Donc, la plateforme RIPEN, dans quelques mots, c'est une plateforme de jumelage, mais en même temps, c'est une plateforme de gérer un projet. Puis ça permet les profs de se rencontrer avec des employeurs pour faire ces jumelages. Donc ici, par exemple, vous avez un affichage d'un prof.
Puis l'employeur a accès à toutes ces informations en cherchant un projet pour le jumelage. Donc, on peut voir le cycle universitaire de ces étudiants. Si c'est un groupe, combien des étudiants sont dans ce groupe? Combien d'heures on aimerait avoir par apprenant? Est-ce que c'est crédité ou non crédité? Est-ce qu'on cherche un projet dans une certaine location? Est-ce qu'il y a une entreprise particulière ou dans un secteur particulier? Et aussi, s'il y a plusieurs projets, parce qu'un cours peut être jumelé, par exemple, avec plusieurs projets. Puis si vous allez voir aussi combien de matchs on a eu, combien de monde de matchs on a eu, les apprenants qui sont ajoutés à ces cours, etc. Donc, je vais vous montrer juste brièvement du côté de match. Ici, par exemple, vous avez le projet de l'employeur qui a fait le jumelage avec ses cours. Mais si on cherchait, par exemple, trois employeurs, vous allez voir tous ces matchs ici de ce côté. Donc, grosso modo, c'est ça la plateforme. Toujours parler plus si vous m'envoyez un courriel par rapport à ça. Mais juste pour avancer, vous avez les 7 membres ici CAFO, donc l'Université Hearst, l'Université Ontario Français, Collège Boréal, Collège La Cité, Collège Glendon de l'Université de York, l'Université Sudbury et l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont membres? Ben, on fournit l'accès gratuit à cette plateforme. Donc, vous pourriez toujours nous contacter si vous aimeriez commencer d'utiliser la plateforme Ripen. C'est gratuit pour vous. Et peut-être vous vous demandez pourquoi ces gens travaillent est-il important. Ben, les apprenants maintenant ont la possibilité d'acquérir des compétences en matière de l'employabilité dans un contexte soit bilingue ou francophone selon les besoins de l'institution. Les employeurs ont accès à la prochaine génération de talents et des talents bilingues aussi. Puis finalement, les établissements postsecondaires ont l'occasion de s'assurer que la formation est adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Et mes collègues, tout à l'heure, viennent parler des REL, donc des ressources éducatives libres. Vous avez accès à cette carte d'apprentissage intégré au travail qui est un matériel au domaine public, donc ça permet de le réutiliser, l'adapter et le distribuer à titre gratuit. Je vais juste passer à la prochaine diapo parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a aussi deux badges qu'on offre maintenant pour les professeurs et les apprenants qui s'impliquent dans l'apprentissage intégré au travail. À quoi servent ces badges? Ben, pour les profs, c'est pour certifier le perfectionnement professionnel et se distinguer par le développement le développement professionnel accompli. Et de l'autre côté de l'apprenant, le badge collaborateur Triste Projet certifie leur acquis qu'ils ont reçu pendant les projets qu'ils ont accomplis avec les employeurs. Et bien sûr aussi, les badges comprennent 3 questions auto-évaluatives. Puis ça permet aussi encore cette réflexion de vraiment penser à ce qu'on vient d'apprendre et comment peut-on l'appliquer dans le futur aussi. Donc, je vais vous laisser sur cette dernière diapo en vous invitant de vous inscrire à notre infolettre CAFO. On partage beaucoup de ressources, tout ce qui est nouveau du côté francophone chez Campus Ontario, mais aussi, bien sûr, l'apprentissage expérientiel. J'ai mis ce lien aussi dans le clavardage tout à l'heure. Donc, oui, si vous avez plusieurs questions, je vous invite de me écrire à fr@ecampusontario.ca et je vous remercie beaucoup. Voilà. Et je passe la parole à mes collègues Cyrielle et Marie-Claire. Merci. Merci, Andrea. Merci encore d'être avec nous. Merci à Megan, merci à Osni pour ces très belles conférences. Et merci à vous tous de rester jusqu'à la fin pour écouter nos belles initiatives francophones. Donc moi, je vais vous présenter le programme Ontario Extend, qui est un programme qui certifie un micro-titre de compétences qui est reconnu. Nous sommes deux à travailler sur ce projet, donc moi-même, donc je suis Cyrielle Kenning, associée d'apprentissage numérique, et Marie-Claire Couperrier. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'en plus Marie-Claire a une très bonne nouvelle à vous annoncer.
Alors, le programme Ontario Extend, c'est quoi? C'est un programme qui a commencé en 2019. Donc, c'est un programme anglophone à la base, c'est-à-dire qu'il a été rédigé en anglais dont les travaux sont les travaux qui reposent sur les travaux de Simone Bates. Je vais vous présenter le contenu juste après. Et donc, ce programme, il vise à aider à développer des compétences en matière de maîtrise du numérique pour développer des compétences de pratique d'enseignement. Ce programme, en fait, il se décompose en 6 modules. Pardon, hop là, 6 modules qui sont ici. Donc, le module pédagogue, qui est un module où on va finalement apprendre comment les étudiants apprennent. Donc, c'est comprendre et analyser les constats des dernières recherches sur les façons d'apprendre, comment on apprend efficacement et surtout dans un contexte numérique, dans un contexte d'apprentissage numérique. On a un module qui est éditeur et éditrice de contenu. Donc là, on va justement parler des ressources éducatives libres, comment en tant qu'enseignant, on peut participer à ces ressources d'éducation libre. Technologue, on va venir finalement voir toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui quand on travaille dans l'enseignement, quelles sont celles qui sont les plus efficaces pour notre domaine en particulier. On va venir vraiment regarder plusieurs technologies différentes, dont finalement l'intelligence artificielle. Dans le module partenaire, là, on va regarder plus comment est-ce qu'on peut développer son réseau d'apprentissage professionnel. Expérimentateur, expérimentatrice, c'est le module dans lequel on va venir expérimenter justement les différentes technologies. Donc, il y a plusieurs activités où là, vraiment, vous allez mettre les mains dans les technologies et puis voir comment est-ce que vous pouvez les manipuler. Et ensuite, le dernier module qui est érudit. Donc là, on va vraiment aller vers une approche d'érudition de l'enseignement, donc voir comment est-ce que les dernières recherches peuvent vous faire évoluer dans vos pratiques d'enseignement. Alors, il faut savoir que ce programme Ontario Extend, c'est un programme qui peut se faire relativement rapidement. Il faut savoir qu'il y a entre 3 et 7 activités par module. On a une rétroaction personnalisée pour chaque activité, c'est-à-dire que Marie-Claire et moi, on revient à chaque fois vers la remise de vos devoirs pour vous donner une rétroaction. Et puis, effectivement, vous avez un badge par module qui vous est décerné. Et à la fin, vous avez le fameux Graal, c'est-à-dire le micro-titre de compétence qui vous est décerné. Et on octroie des badges digitaux que vous pouvez utiliser, par exemple, sur LinkedIn et à mettre sur vos CV. Un petit retour sur les chiffres. Aujourd'hui, le programme Ontario X5, c'est 1700 participants. Il y a plus de 1700 participants, pardon, tout confondu, anglais-français. On a eu plus de 1400 badges qui ont été émis et plus de 200 micro-titres qui ont été octroyés. C'est un programme qui peut se faire à votre rythme, c'est-à-dire que vous pouvez le faire en totale autonomie sur notre plateforme Brightspace. Et vous pouvez également venir à nos séances en synchrone. Et avec Marie-Claire, il nous fera plaisir de vous accompagner tout au long du programme pour vous aider à faire vos activités. Ce programme, il a été traduit de l'anglais au français quand nous sommes arrivés avec Marie-Claire dans le projet, c'est-à-dire il y a 6 mois. Alors, c'est un projet qui n'est pas parfait en termes de traduction parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais on est en train de travailler là-dessus. On a ajouté justement des ressources éducatives libres en français. Et Megan nous en a parlé un petit peu, mais on a évidemment des difficultés à avoir des traductions ou du moins des ressources qui sont en français. Donc, on travaille très, très fort là-dessus. On a bien avancé. Et puis, pour vous dire aussi qu'on a rendu le contenu qui est accessible et inclusive en utilisant l'écriture inclusive. Et je vais laisser Marie-Claire prendre la parole sur l'honorarium. Alors, je vais partager mon écran un instant, s'il vous plaît. Oh, c'est vrai, elle le partage déjà, c'est parfait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si vous prenez le programme Ontario Extend en ce moment, vous avez la possibilité d'avoir un honorarium de 1 500 $. Bien sûr, il y a des conditions qui sont les suivantes, je vais quand même les énumérer parce que c'est important. Il faut que vous ayez terminé le programme avant le 28 février 2024. Ça veut dire que vous ayez fini toutes les activités et demandé les badges. Il faut que vous fassiez partie des 150 premières personnes à avoir terminé le programme. Il faut aussi que vous œuvrez
Il faut aussi que vous œuvrez dans une institution membre du Campus Ontario et ne pas suivre le programme Ontario Extend Sprint. Je vais juste vous expliquer le processus lorsque vous comment vous inscrire à Ontario Extend et comment recevoir avoir accès au programme de l'honorarium. Alors, ce que vous allez faire, déjà, j'ai déjà ajouté l'information dans le chat. J'ai envoyé un lien pour la page d'accueil d'Ontario Extend, mais aussi un lien vers le formulaire d'inscription en ligne. Donc, si vous allez sur le formulaire d'inscription en ligne, vous pourrez vous inscrire, bien sûr. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez recevoir un courriel pour accéder à la plateforme de Brightspace. Ensuite, nous, on va vous envoyer un courriel d'information pour l'honorarium. Alors, des fois, il y a une petite parenthèse ici, il existe une version d'Ontario Extend en Sprint et quand elle est disponible, c'est à ce moment-là que nous donnons l'information par rapport à cette version. Alors, autrement, vous devrez remplir un formulaire d'inscription encore pour l'honorarium, nous le renvoyer par courriel et nous allons vous confirmer par courriel que vous êtes bien inscrit au programme de l'honorarium. Et je n'ai pas mentionné qu'il y avait un QR code, bien sûr, à côté, si vous voulez le prendre tout de suite. Autrement, un instant. Voilà, alors, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à extendfr@ecampusontario.ca. Et bien sûr, ici, il y a un autre QR code qui vous amène sur la page d'accueil de Ontario Extend. Si vous avez des questions, c'est peut-être maintenant que vous pouvez nous les poser. Et puis, Cyril et moi, on sera plaisir de vous répondre, à moins que Didio veuille reprendre la discussion. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, Andrea. S'il y a des questions, on va les prendre. Sinon, le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener lentement. Nous tendons à la fin de cet événement, mais remerciements sincères et chaleureux à tous ceux qui ont pu libérer de leur temps pour participer. Ceux qui n'ont pas pu participer, nous sommes de cœur avec eux. C'est la journée des Franco-Ontariens. Vive la francophonie. Une dernière chose que je vais vous demander avant qu'on se sépare toutes et tous, c'est de prendre le temps, une minute trente, de remplir le sondage qu'on a préparé à la fin de cet événement pour savoir si cet événement était pertinent et utile et éventuellement les initiatives de eCampus Ontario, comment ces initiatives peuvent mieux servir l'éducation postsecondaire en Ontario, peuvent mieux servir la francophonie, l'éducation en français en Ontario. Donc, le lien va être dans le chat. Sentez-vous libre de prendre le questionnaire. Ça nous ferait plaisir d'avoir un feedback de vous. Et une fois encore, au nom de toute l'équipe qui s'est joint à moi pour organiser cet événement, qui a tenu à marquer à eCampus Ontario la journée des Franco-Ontariens. Je vous dis merci. Merci de votre participation. Merci à toutes et à tous et bien de choses chez vous.